Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de nos boîtiers. Aujourd'hui, un Black 666 monté sur une jambe de A10. Cette grosse roue là-haut pèse plus de 800 grammes en fait et on a 30 cm ici de jambe. Donc c'est sur un train, c'est un train de A10, je pense d'un kit Mibo. Avec un 666, on est en 6 volts en termes d'alimentation. La particularité de ce boîtier, c'est qu'il y a une très très longue course de déverrouillage avant que la jambe se mette à bouger. Ensuite, la jambe se met à bouger et il y a encore une très très longue course de déverrouillage de l'autre côté. Là, vous voyez le train qui fonctionne en 6 volts. La rentrée sortie en 6 volts. Ça peut se brancher donc directement sur le récepteur. Vous voyez la consommation ici, 0,8, 0,7 ampères. Et ensuite, on va couper à environ 2 ampères pour ce gros gros boîtier. Là, on est en 6 volts et je vais le passer ici en 7,4 volts. Allez, 7,6 volts pour faire un lipo un petit peu plus chargé et on va faire une rentrée sortie pour que vous voyez ça. Toujours cette très longue course, mais ça c'est la particularité du boîtier, très longue course qui permet de verrouiller et déverrouiller, mais qui à mon avis beaucoup trop longue, qui sert pas à grand chose. L'ouverture, la fermeture d'abord et l'ouverture ensuite, avec un mouvement très souple et très doux. Voilà, merci à tous, à très bientôt sur l'Ado by Retract.